bah nous tout la montagne bon maladie. Ou doué baba chita. Voici temboussa mimi bou mi tombe. Bien à vous tout wende bonhomme. Bien la bongo wenge bien pon le malé yao. Longue l'ende ni kaon. Ou emite iri baba de mounyenge. Ou le yabé son benge ya bien longue. Bala lo bala de Morden, Ibala lo Morden, Bala lo longo Morden, Diana budu bende. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans l'entente et le dialogue. Il est inutile de croire que la manne viendra du ciel, car tout dépend de nous pour la prospérité de l'Afrique. Oui, mes chers frères, mieux vaut tard que jamais. Si nous voulons aller plus loin, conjuguons tous bien nos efforts. Ukwe leo ngalasenga namawolo ponbambo de papi wanga katimba musuka Est-ce que vous avez bien mangé?
Eh bien, il n'y a pas eu de traiteur aujourd'hui. Le traiteur, ça a été les dames de France. Pour cette soirée de A à Z, elle est complètement dame de France. Dédé. Dédé. Je vous ai parlé d'un concept. Vous avez assisté, et vous assistez tous les jours, à des soirées associatives. Ce soir, ce n'est pas pareil. Je vous ai parlé d'un concept. C'est des femmes qui ont pensé à elles et qui ont pensé à vous, mesdames, qui avaient quitté vos pays d'origine, qui vivaient là en tant que mère, en tant qu'épouse et salariée, et qui avaient des difficultés à joindre tous ces engagements que vous avez, toutes les charges que vous avez, et elles ont créé ensemble un laboratoire de recherche et de réflexion pour trouver des solutions à votre problème, à mon problème. Ça veut dire qu'elles sont les seules à mieux connaître, parce qu'elles vivent la même chose que vous. Aucune assistante sociale ne peut trouver la solution pour vous. Parce qu'elles sont européennes, françaises ou autres, elles n'ont pas la même manière ni la même culture, ne rencontrent pas les mêmes difficultés, elles ne peuvent pas trouver des solutions pour nos problèmes à nous. Et elles, elles se sont dévouées, elles se retrouvent tous les mois pour réfléchir et trouver des solutions à nos problèmes de femmes migrantes. Je vous prie de les acclamer. Madame la Comtesse. Très bientôt, vous allez recevoir des invitations pour des séminaires, pour des conférences, pour que nous puissions partager ensemble les connaissances, des trouvailles qu'elles ont faites. En même temps, je voudrais vous dire ce soir, et je le leur annonce en direct parce qu'elles ne le savent pas, je voudrais personnellement participer à ce travail parce que je les admire et je voudrais simplement apporter la lumière. Une lumière qui nous vient de l'Évangile. Parce que la femme, elle a beau avoir toutes les connaissances du monde, si elle n'est pas éclairée par la parole de Dieu, ça ne vaut à rien. Et donc, j'apporterai personnellement cette lueur de lumière, cette pointe lumineuse dans le travail qu'elles ont fait. Et je voudrais que la présidente, Cathy, vous disent elle-même combien elle est heureuse que vous soyez là ce soir. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bien mangé? Merci de votre présence ce soir. Merci aux dames qui nous ont fait honneur ce soir parce qu'on est là pour vous. On est là pour les femmes et tout. Les hommes sont aussi là pour vous faire un clin d'œil. Mais ce soir, faites honneur à vos femmes, aux dames, parce que nous sommes là pour l'épanouissement des dames, pour l'épanouissement des femmes et tout, dans notre vie quotidienne. Donc ce soir, les dames, faites-vous plaisir, faites honneur à vos maris, les hommes, faites honneur aux dames. Merci et bonne soirée. Je voudrais simplement rajouter à ce qu'elle a dit, vous messieurs, si les femmes se battent pour être épanouies, je pense que c'est d'abord également pour votre bonheur à vous. Si vous avez une femme épanouie, vous êtes un homme épanoui. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ce sont les femmes qui vous ont fait. Elles vous ont porté et elles continuent de vous construire. Vous ne pouvez pas vous construire. Je ne parle pas en tant que femme. Je parle simplement en tant qu'humain. Ce soir, si vous n'avez pas une femme avec vous, vous ne pouvez pas y arriver. Vous le savez. Et pour cela, je vous demande d'acclamer les femmes ce soir. Merci pour une dernière salve d'applaudissements à ces dames qui vont maintenant ouvrir le bal et vous inviter sur la piste. Éclatez-vous, amusez-vous. Profitez de ces moments et nous en aurons encore beaucoup d'autres. Merci. Merci encore pour votre présence. Bonne soirée.
la soirée des Dames de France. Une très belle soirée. On s'amuse bien. Il y a du monde. C'est bien, c'est une belle soirée. Merci aux Dames de France. Merci. Jaspoca.com. Oui, bah avec tout ce qu'on a dans cet environnement, c'est bien. Bon, ben écoutez, il vaut mieux être là, et s'amuser que de tomber malade et tout. Bon, ben ça se passe bien, vous voyez. Hein, c'est tout le pays qui est là. Moi, non, même pas. Moi, je suis venu avec mon saxophone et puis. Mais ça va être là pour la prochaine fois, pour un autre. Notre progéniture pour leur donner aussi le savoir de s'amuser musicalement et tout. Bon, ben voilà. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, la plus grande soirée qui s'est passée aujourd'hui, ici même au Salon du Sud de Bonneuil, la soirée des Dames de France, Didier Mané Mix, c'est moi, le show était de taille. Mesdames et messieurs, veuillez voir, veuillez regarder sur la télévision de la diaspora. Vous verrez le show qui s'est passé ici ce soir. Merci. Oui. Ouais, donc je m'appelle Mboli Thierry. Je suis centrafricain, c'est la première fois que je viens ici. Vous voyez, je suis arrivé par rapport à ma femme qui s'appelle Marie-Danielle Eyoum, qui m'a invité. Je suis arrivé. J'ai aimé l'ambiance qui se crée chez les Camerounais, leur attention avec tout ce qu'ils font, je crois que bah, c'est des gens éblouis. Et que je les remercie beaucoup pour cette invitation, pour nous et pour les Africains. Et que merci beaucoup. Bonsoir monsieur, je suis le provincial Sambaka. C'est une soirée inégalée ce soir. Vous savez, ce soir, avec la propagande inégalée des femmes de Paris, ce qu'ils ont fait pour nous, ça n'a pas de prix. Et la salle et les belles femmes et les beaux hommes, ça n'a pas de prix. Ça prouve le Cameroun de demain. Je remercie beaucoup ces femmes de Paris, ce qu'ils ont fait pour nous. Merci beaucoup pour tout. Franchement, pour une première, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de monde. On ne se piétine pas. C'est vraiment ce qu'on appelle un dîner de gala. Franchement, moi, je ne peux que les encourager, les Dames de France, à aller de l'avant. Et la prochaine édition sera là. Sincèrement, je suis battu, je suis venu avec mon épouse. Et on est super contents, on passe une belle soirée, donc voilà. Donc continuez dans la même lignée, les Dames de France, je vous encourage. Je serai toujours là pour vous soutenir. Philippe Essaka, merci beaucoup. Alors, c'est une très très belle soirée. Moi, je vais juste dire qu'aujourd'hui, on assiste à un nouveau concept, celui des Dames de France, qui fonctionne que sur invitation. Alors, je disais, après cette coupure, qu'on assiste à un nouveau concept, celui des Dames de France, qui ne fonctionne que sur invitation. Alors, tout le monde que vous avez pu voir aujourd'hui, c'est un monde qui a été créé sur vos lèvres. Donc, on ne vend pas de billets, c'est que sur invitation. Vous avez un buffet qui est servi, un buffet qui a été concocté spécialement par les Dames de France. Comme vous pouvez le voir, il y a une bonne ambiance qui règne. Moi, spécialement, Ideal Air, j'ai tenu à participer à cette soirée pour les soutenir, parce qu'aujourd'hui ce qui est mis à l'avant c'est le travail des femmes, des dames. Donc pour vous dire que moi je m'amuse, je passe une très bonne soirée et je vous invite à y participer pour l'année prochaine. Donc voilà, je vous embrasse. Oui, bonsoir. En fait moi je vis pas ici, mais quand même j'apprécie. En fait, bon, je disais, je ne vis pas ici, mais j'apprécie tout de même la soirée qui me paraît vraiment exceptionnelle. Vu toutes ces demoiselles et toutes ces dames qu'on rencontre ici, j'ose espérer que c'est des choses qui vont se répéter dans le temps et que je serai encore de votre pour participer à cette soirée exceptionnelle.
Ouais, sincèrement, très beau concept. On ne le voit pas tout le temps à Paris. J'encourage vivement les femmes de France et toute la diaspora parisienne pour qu'on puisse continuer dans ce genre d'élan. C'est calme, c'est doux et c'est précieux. Sincèrement, mille fois merci aux dames de France. Bye bye. Bonsoir, M. Sophie. Je me présente, les jumeaux de Pétard de Paris. Aujourd'hui, je suis ici pour encourager les dames de France. Les dames de France, parce que la présidente des dames de France, c'est d'abord mon épouse. Elle mérite l'encouragement. Et ce soir, beaucoup de succès. Ce n'est qu'une première. La deuxième, ça sera mortel. Je les encourage. Je les dis merci pour l'accueil. Merci beaucoup aux dames de France. Merci pour la continuité. Merci encore. Donc, par rapport à cette soirée, j'aimerais dire merci aux dames de France pour tout leur travail qui a été très satisfaisant. Mais aussi tout l'amour qu'elles ont mis dans tout ce qu'elles ont fait. Mais également beaucoup de succès. J'espère que la soirée leur a rapporté beaucoup d'argent, parce que moi j'aime beaucoup l'argent. Et aussi que l'année prochaine, elles vont réorganiser un truc comme ça, qui aura encore plus de succès que cette année, parce que j'aime beaucoup la soirée et c'est une réussite totale. Donc je suis très contente. Continuez comme ça, allez de l'avant. On va vous soutenir chaque année et ils peuvent compter sur nous pour venir tous les ans. Voilà. Oui, merci M. Sophie de me passer la parole. Comme toujours, on est bel et bien avec toi, M. Sophie, parce que je commencerai par vous, parce que vous êtes l'œil de la diaspora. Et parlant de la soirée, M. Sophie, elles sont 12. 12 dames à Paris, au nom de Dames de France, qui nous ont permis de vibrer aujourd'hui. Je tiens d'abord à respecter à dire merci pour leur ponctualité, car nous avons mangé très tôt et surtout le service aussi, parce que le service a été bien reçu et sérieux qu'une crise cardiaque. Et comme il faut toujours faire avec vous, l'embellir avec vous, bravo aux dames de France et pour un début vraiment chapeau et très belle soirée. Je pense que tout le monde voit qu'on passe une très bonne soirée et que pour un coup d'essai, c'est un vrai coup de maître. L'animation, ça va très bien. Je pense que les dames de France doivent continuer dans cette lancée-là parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'elles sont vraiment sur la bonne voie. J'ai beaucoup apprécié la dame qui a parlé. L'impresario, elle était très très bien. On a bien mangé, on a passé un bon moment ensemble. Et je pense que ce sera une bonne chose de recommencer cette fête-là. Merci beaucoup. Oui, pour la première fois, je pense quand même que les dames de France, elles ont fait quelque chose vraiment d'exceptionnel. Dans la cuisine était très bien faite, très raffinée. Et la soirée était très bien, tout le monde est content. On a passé une très très belle soirée et vraiment beaucoup de courage pour la prochaine fois et bravo. La soirée était très belle et j'encourage les filles d'aller en avant. Elles étaient bien accueillantes et on s'est vraiment amusés et j'encourage beaucoup les filles. La soirée est magnifique, du courage les filles. Alors je suis là par l'intermédiaire de LMM. Merci. Merci Hilaire Sopi. Je suis très content de cette soirée. Je dis encore merci aux dames de France. C'est la première fois que j'ai vu un événement pareil et je souhaiterais que ça se répète. Merci Hilaire Sopi et à bientôt pour les 30 ans de Petit Pays. Merci Hilaire Sopi. Bonsoir Monsieur Sopi. Bonsoir à tous. Je suis encore Maître Jean-Long Gamo de NJR Productions. Je suis ici à la soirée des Dames de France. Ce que je constate, c'est qu'il y a une différence avec les différents groupes de femmes.
c'est que celles-ci, ce sont des dames. Ça veut dire qu'elles nous ont reçus comme des dames. Ce n'est pas des trucs brouillons qu'on rencontre d'habitude. Les dames de France ont décidé de recevoir des gens dans un gala. Je suis heureux d'avoir assisté à ce gala. Et j'espère qu'elles iront loin. Parce qu'avec ce qu'elles nous proposent là, c'est une première. Mais sincèrement, ça va rester dans les annales des soirées parisiennes. Merci beaucoup. Okay. Non, je trouve que la soirée est très belle. D'ailleurs, je ne serais pas resté si elle n'était pas aussi belle. Mais il y aura encore une autre plus belle. Le 31 décembre, organisé par le Club Cap à l'hôtel Marriott de Roissy. J'encourage les Dames de France parce que je sais qu'il n'est pas facile d'organiser une telle soirée. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Mesdames, continuez et je demande à d'autres femmes d'avoir le même courage, afin d'avoir le courage de faire la même chose, parce que ça nous manque. Merci. Merci Sopi de me passer la parole. Ce fut une très belle soirée. Les Dames de France ont frappé fort pour une première soirée dans une belle salle, une bonne décoration, du beau monde. Nous sommes vraiment contents d'assister à cette soirée. Et ça promet pour la prochaine. Merci. Très bonne soirée. Donc, on félicite les Dames de France parce que c'est vraiment une bonne initiative pour la diaspora de nous réunir comme ça. Et franchement, je suis très content de la soirée. Donc, non. Bah, à la même occasion, je profite pour présenter mon cousin. Voilà, si tu as quelque chose à dire. Bah, comme il a déjà dit, c'est des bonnes initiatives et nous tenons vraiment à les encourager. Et ça fait plaisir qu'on se rencontre comme ça, que la communauté de temps en temps se rencontre dans des soirées comme ça. Et je tiens à féliciter les Dames de France.